N'oubliez pas, sur YouTube, tapez Eli, espace, XIR, et abonnez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre mairie d'Ortelière. Avant de procéder à votre mariage selon la loi, je souhaiterais vous dire quelques mots sur l'engagement que vous allez prendre. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Martine et Alain, ainsi que vous tous, parents et amis, dans notre maison commune. Cette maison qui nous rassemble sous le ciment des mots liberté, égalité, fraternité, est aujourd'hui, Martine et Alain, le théâtre de votre engagement public. Le mariage, c'est donc un acte public. Un lien qui engage les mariés vis-à-vis de la société bien au-delà de votre réalité et de l'autre, et d'accepter sa différence, de se faire conscience et de rester à l'écoute, surtout dans les moments difficiles. Je vous souhaite donc une belle route ensemble, et avant de procéder aux actes administratifs nécessaires pour légaliser votre mariage, je souhaite à tous une très belle fête. Pour conclure, je vous dirai que se marier, c'est unir sa vie à une autre, pour construire ensemble une nouvelle. Voilà. Nous allons donc procéder à la célébration du mariage. Je vais vous demander de vous lever. Donc nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de M. Alain Jean-Jacques Rodriguez avec Mme Martine Lucie Chantal Gaillard. Veuillez nous faire connaître s'il a été fait un contrat de mariage. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013, les dispositions du Code sur les devoirs et droits respectifs des époux. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213. Les époux
assure un fameux la direction morale et matérielle de la famille. Il pourvoit l'éducation des enfants et prépare leur avenir. L'article 214. L'article 214. S'il est convaincu. L'article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Bon, c'est là que ça vient de s'arrêter. Là, il faut prendre les photos. Madame Martine Lucie Chantal Gaillard, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Alain Jean-Jacques Rodriguez, ici présent? Oui. Ça va être difficile de dire refuser. Monsieur Alain Jean-Jacques Rodriguez, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Martine Lucie et Chantal Gaillard, ici présente? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Je vous félicite. Bravo. Je suis sûr qu'il va pas réussir. Il faut bien commencer. On s'est patienté un peu. Ça fait bien plaisir. Tu as raison. Il y a un problème, je ne veux pas mourir. C'était un peu lent. Ah, lui, tienne, hein. Il va falloir attendre, hein. Il est bien tutère. Non, j'y arrive pas. Vous voulez que j'essaye? Oui, peut-être vous. Pourtant, j'ai pas fait des chromies, hein. Non, mais c'est les rubans qui sont petits. Oui, j'ai juste fait un lien. Ah, bah voilà une. Ah, voilà une. C'est celle que monsieur doit remettre dedans. Voilà. Voilà. Pas jusqu'au fond? Non. Voilà, pas jusqu'au fond. Voilà, comme ça. Merci beaucoup. Alors là, je te passe la balle au doigt. Pas jusqu'au fond. Il me lève le doigt. Ah oh ben je pourrais pas l'enlever après. Ah, ah, c'est... Ah, c'est... On comparait publiquement à la maison commune. Rodriguez, Alain Jean-Jacques, né le 23 avril 1955 à Kehl, en Allemagne, retraité, domicilié 10 rue des Genêts à Orteviel, fils de Pierre Rodriguez et de Lucienne Jeannine Leloup, retraité, domicilié à Orteviel 10 rue des Genêts. Et Gaillard, Martine, Lucie, Chantal, née le 22 octobre 1952 à Juvisy-sur-Orge, retraité, domicilié 22 rue des Alouettes à Moissy-Cramayel, Seine-et-Marne, fille de Marius Maurice Pierre Gaillard et de René Lucienne Mello. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de témoins majeurs. Cédric René Artens, responsable maintenance, domicilié à Moissy-Cramayel, 20 rue des Alouettes, et Hubert Charles Limery, retraité, domicilié à Bayonne, 9 allées d'Armanet. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous. Donc là, nous allons procéder aux signatures. Juste un. Vous allez changer. Vous allez changer. C'est d'arriver à Charlie. Ouais.
prends les témoins. Et on les charge. Et à mon tour. Et je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. Merci. Merci. Thank you.